positionnez-vous, à m'en disposer vos cœurs véritablement pour ce que le Seigneur est en train de préparer. C'est quelque chose d'inouï, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant qui est en train d'arriver. Et bien aimé, soyez seulement persévérant. Soyez seulement persévérant pour un peu de temps dans ce corps que nous sommes là, mes bien-aimés, pour un peu de temps. Je vous assure, à un moment donné, que pas un sens. C'est maintenant que je suis en train d'essayer de comprendre. Parce que quand le frère nous raconte, à un moment donné, des gens racontent qu'ils ont, versé l'eau. Là-bas, nous, on verse l'eau comme si c'était l'eau, comme si c'était à un moment donné que pas. On versait l'eau sur nous, on se disait, mais c'est quel genre de chaleur qui nous brûle, qui nous chauffe, à un moment donné, que pense. On ne sait même pas, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe. Ça nous chauffait, tu prends même la serviette, tu verses l'eau, tu mets même sur toi, ça se sèche. Tu reverses. Je vous assure, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, comme le serviteur, le frère Junior lui a encore bien dit que, par un sens, c'est véritablement, à un moment donné, c'est le moment. C'est le moment, mes bien-aimés, à un moment donné, de se positionner. Je vous assure, mes bien-aimés, nous avons véritablement beaucoup à gagner. Je vous assure. Je vous assure, mes bien-aimés. Je vous ai vraiment exhorté à écouter les instructions. À écouter les instructions, mes bien-aimés. Et ça va vraiment vous faire du bien. Parce que ce qui est au devant de nous, recevoir le baptême du Saint-Esprit, mes bien-aimés, le scellement, ça c'est notre plus grande joie. Ça, c'est la plus grande des choses que nous espérons, que nous espérons. Et aujourd'hui, que par un sens, scellé du Saint-Esprit, vraiment, mes bien-aimés, c'est le cadeau parfait. Je vous assure. Donc, persévérez, mes bien-aimés, dans ce que nous sommes en train de travailler, que par un sens. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Ne dites pas qu'à un moment donné, que par un sens, j'ai tellement prié, j'ai tellement gêné. Ça a fait quoi? Non, mes bien-aimés, disposons seulement nous, disposons nos cœurs pour véritablement recevoir ce que le Seigneur est en train de préparer pour nous, que par exemple. Cette petite exhortation que je voulais vraiment vous envoyer et vous dire merci. Merci pour votre disposition pendant ces 6 jours de jeûne, mes bien-aimés, que vous avez participé, que par exemple. Merci vraiment d'avoir disposé vos corps. Merci. Parce que dans un sens, vous avez été prompt pour ce que le Seigneur est en train de vouloir faire, que par un sens. Je vous exhorte toujours à continuer, à vraiment continuer, mes bien-aimés, parce que dans un sens, à un moment donné, que par ce qui nous attend est encore plus grand. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire, quelque chose à. Pour avant que nous n'entrons dans la prière, quelque part dans un sens, si quelqu'un a un mot à dire, quelque chose à dire, à un moment donné, avant que nous ne passions à la prière, mes bien-aimés. Je ne sais pas. Si quelqu'un a quelque chose qui le monte à cœur, si quelqu'un, je ne sais pas si on peut dire même un cantique, si quelqu'un a quelque chose qui le monte à cœur, que nous puissions le faire avant d'entrer dans la prière, mes bien-aimés. Je ne sais pas si c'est le frère Achille qui est là. Shalom, shalom, je suis là. Ah, shalom, mon frère. Est-ce que dans un sens, je te laisse conduire la prière, mon frère. Vas-y, mon frère. Et si quelqu'un a un chant, un songe ou bien une révélation, quelque chose qu'il veut partager, qu'il partage. Sinon, un cantique. Sentez-vous à l'aise. Viens donner ici, tu connais encore. Je vais.
Je ne sais pas si quelqu'un a ça. Il faut venir d'autres pour faire un élément que quelqu'un va s'appeler. Shalom, mes bien-aimés frères, soldats du Seigneur. Shalom, shalom, ça t'intéresse. C'est un cantique là qui me monte à cœur. Et je vais mimer parce que je n'ai pas ça ici, je ne retrouve pas. Quel ami qu'on aimait à la on a guéri ma douleur. Mon seul appui, c'est l'ami fidèle. Jésus seul. Je ne sais pas si on a le mot de ça ou si quelqu'un a ça, il partage un peu. Pardon, si quelqu'un ça y publie un peu dans le groupe là, là, on... ça me vient vraiment que vous savez que dans ces circonstances, nous devons implorer la grâce du Seigneur. Amen. Dans un esprit de supplication. Mon seul appui. Mon seul appui. Mon seul appui. Ok. Mon seul appui. Quelqu'un pour entonner? Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les uns s'en vont, cet ami me reste. Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est cet ami, qu'on aimait à l'âme, son amour son amour guérit.
suis toute mes âmes, tout sauveur, tout sauveur. Merci Seigneur de ce don suprême, Jésus seul, Jésus seul. Il m'appartient, je le sais, je l'aime. Et qui allait nous chercher dans la boue, et qui nous a tirés, et qui nous a amenés vers lui, qui nous a accordé la sanctification, qui nous a permis de passer à travers des jeûnes, des supplications, des veilles, et tout ce que cela comporte pour nous amener à aujourd'hui, pour nous amener à la consécration du temple. Qui d'autre que toi, Seigneur Jésus? Qui d'autre que toi, Seigneur Jésus? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre que toi, Seigneur Jésus? Oh Père, comment dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier, Seigneur Jésus, pour les bienfaits que tu accomplis dans nos vies, pour les grâces que tu déverses sur nous, pour tes bénédictions qui sont incomparable, incommensurable et inqualifiable dans nos vies. Seigneur, comment ne pas nous humilier devant ta main puissante, devant toute ta grandeur, devant toute la lumière, car toi seul as pu te dépouiller de toute la divinité, de tout le ciel,
pour venir chair humaine. Pourquoi? Pour me sauver, pour nous sauver. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Eh, Seigneur Jésus, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment, Père? Ce n'est pas possible, Seigneur. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'adorer, ne pas te magnifier, ne pas s'humilier au devant de Dieu? La création, Seigneur, de l'univers, et tu as pensé, Seigneur, à chacun d'entre nous, et tu nous as élus, et tu nous as mis, Seigneur, en Jésus-Christ. Mes larmes,
Vraiment vie en nous. On dit, cet ami connaît nos âmes. Son amour guérit ma douleur. Est-ce que vous pouvez mesurer l'amour du Seigneur a pour chacun d'entre nous? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son amour guérit ma douleur. Regardez l'amour que le Père a manifesté avec nous. En envoyant Jésus-Christ son Fils pour mourir pour nous. Et Jésus, il a accompli cela complètement et parfaitement. Chacun d'entre nous ici rassemblés, nous avons été prédestinés depuis la fondation du monde. C'est-à-dire, le Père nous a élus, il nous a choisis, il nous a placés en Christ avant qu'un atome ne vienne sur la terre. Donc l'agneau sacrificiel qui avait été prédestiné avant que rien ne puisse se faire, chacun de nous avait été placé en lui, afin qu'au moment opportun, nous soyons rassemblés et nous soyons réunis comme nous sommes réunis ce soir. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta douleur, quelle que soit tes souffrances, son amour guérit.
ta douleur, pour guérir tes souffrances, son amour guérit tes difficultés, son amour guérit quoi que ce soit. Ouvrons notre voix, remercions le Seigneur pour son amour, remercions le Seigneur pour le fait qu'il soit venu et qu'il ait donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est une grâce incroyable. C'est l'amour manifesté du Père en vous. C'est dans mon cœur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Père. Merci Père pour ton amour. Merci pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Si tu n'avais pas quitté les cieux, personne ne t'aurait demandé. Si tu étais venu, tu avais refusé ce sacrifice, personne ne t'aurait demandé. Mais tu as fait les choses pour lui. Quand tu es ce jour-là à Gethsemane, quand tu souffres, quand tu sais, tu as envie chacun d'entre nous. Tu as envie de tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Oui, chacune de mes soeurs. Quel amour merveilleux, quel amour merveilleux, quel
quel amour Si quelqu'un pourrait avoir un cantique que nous pouvons chanter pour dire merci Seigneur. Ah voilà. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci mon Dieu. Merci au Seigneur. Nous les rendons profondément, vraiment profondément grâce. Car ce n'est que des bénédictions, des actions de grâce qu'on peut élever vraiment à son nom. Car si on commence à regarder le feedback de notre vie, ou bien le bilan de notre vie, frère, tout est grâce. Vraiment, tout est grâce. Quand nous avons commencé, le frère Junior a commencé à travailler avec les uns et les autres. Le début de son message même si c'était voilé, c'était « Nous avons besoin du Saint-Esprit ». C'était « Nous avons besoin du Saint-Esprit ». Et il l'a canalisé comme il pouvait nous canaliser, mais c'était le point de chute. C'était « Nous avons besoin du Saint-Esprit ».
Or, les gens se sont liés justement à l'homme de Dieu, pas à cause de cela, mais à cause qu'ils voyaient les choses se manifester, les miracles, les guérisons et tout. Mais où en sommes-ils aujourd'hui? Sans savoir que le frère Julien disait, ne regardez pas aux miracles, ne regardez pas aux guérisons, ne regardez pas ce qui se fait. Cherchez celui qui fait les guérisons lui-même, qu'il soit en vous, il va faire les guérisons à travers vous. Aussi simple que ça. Mais les gens n'ont pas compris le message. Les gens n'ont pas compris la direction. Quand on a commencé, que ce soit seulement dans le Canada à cet été, ou ceux qui sont là depuis, quand il y avait encore le groupe dans le monde, et ceux qui étaient même au Cameroun, combien de personnes sont parties? Combien de personnes ont quitté, ils sont partis? Ils sont nombreux. Mais regardez là où nous sommes aujourd'hui. Qui aurait pu imaginer que du jour au lendemain comme ça, paf, les choses auraient changé? Les visitations, les secouements, les scellements. Qui aurait pu imaginer? Moi-même qui vous parle. Moi, je n'avais jamais pensé dans ma vie que je serais serviteur du Seigneur. Non. J'avais imaginé plein de choses, mais jamais serviteur du Seigneur. Aujourd'hui, me voici, attrapé par le Seigneur qui est en train de faire son œuvre. Qui aurait pu imaginer? Il y a des gens qui ont pensé plein de choses. Ça, c'est seulement pour nous ici qui avons côtoyé le frère Junior. Pensons maintenant à ceux qui disent qu'ils cherchent le Seigneur partout dans le monde. Il y en a qui prient, qui crient, mais qui n'ont même pas la connaissance de ce que nous avons, ou bien qui n'ont même pas la révélation de ce qui est en train de se passer. Je me rappelle encore, je ne sais pas avec qui j'en discutais, je disais, mais on est en train de se déplacer comme ça, on passe. Des voisins à côté sont là et se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec les gens-là? Ils ne savent pas que les grands changements, les grands bouleversements du monde sont en train de se faire à côté de leur maison, à côté d'eux. À côté d'eux. Les gens sont en train d'être scellés à côté d'eux. Les changements les plus terribles que le monde ne peut imaginer est en train de se faire. Ils sont en train de passer à côté. Et ils se disent, ils traversent comme ça parfois, ils vont chercher le Seigneur. Alors que le Seigneur est en train de se manifester à côté d'eux. Donc frère, c'est juste pour nous dire que si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Et si donc le Seigneur nous a fait grâce, ce n'est donc plus le moment de regarder à gauche ou à droite. Ce n'est plus le moment de tergiverser. Ce n'est plus le moment de prendre des chemins tortueux. C'est le moment de tenir ferme sur le point là où le Seigneur a tracé pour chacun d'entre nous. Car si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous aime et le Seigneur a choisi pour chacun d'entre nous que nous allons être scellés du Saint-Esprit. Amen. Donc, oublions toute chose. Laissons les difficultés, laissons le doute. Laissons tout ce qui peut nous environner pour nous ôter de cette voie-là. Frères et sœurs, il n'y a rien qui dépasse le revêtement du Saint-Esprit. Il n'y a rien. Prenons même la Bible. Regardons, la dernière fois j'avais parlé de Pierre. Prenons Pierre avant et après le scellement. Un pêcheur qui avait plus de 40 ans d'expérience en pêche, mais qui s'est levé, il allait parler les plus grands sages du royaume de Jérusalem, on dit, mais n'est-ce pas des hommes sans éducation? Le Saint-Esprit donne donc l'éducation qu'il faut, autant qu'il faut, au moment opportun, pour son service. Amen. Vous avez suivi l'appel, justement, du frère Jimmy au Cameroun. Le voilà. Il parle comme s'il n'arrive pas à parler. Mais attendez quand il va sortir. Parce que c'est l'Esprit qui parlera à travers lui. Et le Seigneur lui-même a dit dans sa parole que ne préméditez pas ce que vous allez dire quand vous serez, car au moment opportun, je mettrai dans votre bouche ce qu'il faut que ça sorte. Et regardons même le Seigneur, quand il était confronté au diable, c'était parole contre parole. C'était parole contre parole. Ça ne veut pas dire que le diable ne connaît pas la parole, mais c'est qu'il faut la parole du moment. Or, comment obtient-on la parole du moment? C'est le Saint-Esprit en nous qui parle. C'est le Saint-Esprit en nous qui parle. Regardons les richesses. Salomon. Est-ce que Salomon s'asseyait comme ça? Il veut prodiguer les conseils. Les richesses venaient vers lui. Frère, depuis que nous savons, on a déjà gagné quoi dans cette vie-ci? Examinons nos vies. Examinons nos vies. Examinons l'historique de nos vies jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vraiment, et faisons, parfois arrêtons-nous et disons non, il est temps de prendre la voie droite.
Il est temps d'arrêter d'aller à gauche ou à droite et de suivre véritablement le Seigneur. Et le Seigneur nous conduit toujours à travers un chemin parfait. Et même nous qui sommes, bon, pas détachés du Cameroun, mais qui ne sommes pas à Japonais, le Seigneur donne des signes clairs. Des signes clairs. Il dit que non, mes enfants sont en train d'entrer dans une certaine phase. Il faut que je fasse les derniers nettoyages, les dernières purifications. Ils touchent, ils nettoient, ils nettoient. Parce que tous ceux qui doivent quitter le Canada, la sainteté, pour entrer dans le Canada, là, Jésus, doivent être purifiés, doivent être sanctifiés. Parce que là, c'est la consécration du temps. Amen. Frère, pour que nous voyons là où on est en train de partir. Frère, est-ce que ça ne suscite pas la joie en vous? Est-ce que ça ne suscite pas de l'émoi de voir que le Seigneur est à l'œuvre? Le Seigneur est en train de toucher. Et je sais que ceux qui n'ont sont pas pu, on n'a pas pu se regrouper en présentiel, chacun pour sa part a reçu la visitation du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Car le Seigneur connaît tous ses enfants et tous ceux qui ont le cœur disposé et qui passent par les voies que le Seigneur donne en suivant les instructions qu'il donne à travers ses serviteurs. Le Seigneur se manifeste, c'est naturel. Il n'est pas un homme pour mentir. Regardons au Cameroun, il a dit le 1er mars, je vous enverrai la pluie. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Frère, est-ce que ça ne vous donne pas l'envie de rester même comme ça, de prier même pendant 4 heures? Que de secouer le ciel là que ça descende, vraiment. De secouer le ciel que ça descende. Nous ne sommes pas en reste ici. Le Seigneur se manifeste au Canada. Le Seigneur se manifeste aux États-Unis. Le Seigneur se manifeste dans les maisons. Qui nous donne seulement la grâce de voir ce qui est en train de se passer? Priez, Père, ouvre mes yeux que je vois ce qui est en train de se passer. Afin que tu vois ce que le Seigneur est en train de faire en toi, autour de toi et à travers tous les gens que tu rencontres tous les jours, tes frères, tes sœurs. Comment le Seigneur se manifeste puissamment? Et le Seigneur nous a fait passer à travers un mois de repentance, le mois de février. Nous avons tout abandonné. Ah, le Seigneur est merveilleux. Regardons le premier réveil dans la Bible pour nous dire à quel point le processus du Seigneur est pur, parfait. Il n'y a jamais d'erreur. Jamais d'obstacle. Quand on regarde dans Genèse 35, le Seigneur donne la promesse à Jacob bien avant. Maintenant, quand le Seigneur veut purement se révéler à lui, il dit, va à cette montagne pour m'adorer. C'est ce que le Seigneur, l'instruction que le Seigneur lui donne. Et lui se tourne dans sa maison, il dit, séparez-vous des dieux étrangers. Car pour rentrer dans la profondeur du Seigneur Jésus, on doit se détacher de tout. Car il est une divinité, il ne partage pas avec quelqu'un d'autre, il ne partage pas avec un autre Dieu. On se sépare de tout, on se sépare. Et quand on rentre dans là, on rentre dans la révélation de qui il est. On rentre dans la révélation du Saint-Esprit. On a fait la repentance. Si nous avons bien fait cette repentance, comme le Seigneur a demandé, frère, il n'y a plus de doute à avoir. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Amen. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est simple. C'est pas compliqué. Et que maintenant, nous ne devons plus pleurer. Nous devons célébrer. Nous asseoir, chanter le Seigneur. Lire les cantiques. Être content. Nous réjouir. Car les disciples, ce n'est pas quand ils sont allés s'asseoir dans la chambre haute. C'était déjà fait depuis. Ils attendaient juste là. Manifestation. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'on attend? La manifestation. C'est Amen. Tout. Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous ne sommes pas en train de crier pour que la promesse arrive. Non. Elle est déjà là. Elle est déjà là. On attend juste là la manifestation. Or, en attendant donc la manifestation, il y a la manière d'attendre. Alléluia. Amen. On attend à part. On attend dans la chambre. On attend avec le contact permanent, en contact avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, nous voici dans l'attente. Alléluia. Père, nous voici dans l'attente. Père, nous voici dans l'attente. Père, nous voici dans l'attente. Et c'est comme ça que le Seigneur sourit. Il sourit. Il dit, ah! Regardez ce que ces gens-là font. Envoyez-le un vent là et boum, les gens. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Donc, c'est Alléluia. C'est
Alléluia. Donc, il avait clairement dit, glorifie encore ton nom davantage. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie le Seigneur. Ton nom. Vraiment, la grâce de comprendre les temps par les temps sont passés. Glorifie ton nom. Et il n'est pas en train de vouloir baptiser une ou deux personnes de son esprit. Regardez ce que le Seigneur a fait avec nous, les conducteurs. Il est en train de baptiser plein de personnes. Mais c'est grave. Ce sera terrible. Voici les cas. Ce qui va se passer. Imaginez-vous, il y a un rassemblement comme ça, même 20 personnes baptisées du Saint-Esprit. C'est-à-dire que même à des kilomètres, le monde des ténèbres va dégager. Les gars ne vont même s'approcher, il n'y aura pas. Amen, Père. Amen. Les gars ne vont même s'approcher. Parce que Amen. Là, ça dégage. C'est terrible. Merci, Père. C'est terrible. Merci, Père. Donc, nous comprenons seulement dans acte 2, là, quand le Seigneur, dans Matthieu, à la fin de Matthieu, Matthieu est venu là, ce qu'il a fait. Maintenant, acte 2, comment c'est descendu sur eux. Et ils sont sortis. Et regardez, quand ça descend sur eux, on n'a pas besoin de baffles. On n'a pas besoin de faire les campagnes. Ils sortent, boum! 5000 personnes converties directement. 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 Donc, nous qui parfois disons qu'on veut trop aller convertir les membres de notre famille là, ou mon frère, ma soeur, toi qui as le mari inconverti, mon frère, toi qui, ton épouse n'est pas convertie là, c'est donc maintenant le moment. Tu as vu que quand le Saint-Esprit est tombé sur eux là, ils sont sortis, boum, une fois, tu as vu la quantité. Donc si toi, ça te touche là, tu parles voix seulement, tu souris seulement, tu sens que ici là, je suis chargé. Mais directement, il se convertit. Mais directement, il se convertit. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Comment tu vas transmettre ça? Amen! C'est ça. Donc, c'est le moment de dire maintenant que, OK, il faut donc presser véritablement dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Le frère Junior avait fait un enseignement, un puissant enseignement. Il avait dit, quand nous nous rassemblons, nous devons goulotter nos prières. Il avait pris l'exemple d'une... vous savez, chez nous au Cameroun, quand il pleut, il y a les gouttières qui recueillent l'eau sur le toit et ça descend pour aller tomber parfois dans des fûts ou bien dans un récipient ou bien pour aller couler dans des récoltes. Prenez justement ce schéma d'une maison où on a mis justement ce truc qui retient l'eau pour aller canaliser dans les gouttières. Si on enlève ça, c'est des petites gouttes qui tombent du... Bon, pas des gars, des petites gouttes. C'est l'eau qui quitte du toit, qui vient taper au sol. Et puis, ça passe. Ça n'a pas la même puissance. Quand on canalise tout l'eau là, justement, sur cette goulotte, et que ça descende quelque part, vous voyez la quantité d'eau qui descend. C'est énorme. C'est pour dire quoi? Pour dire que n'ayons pas 1 million de sujets de prière. Ce n'est plus le moment. Non. Les guérisons vont venir. Allez. Tout ce qu'on souhaite va venir. Ce n'est plus le moment pour ça. C'est le moment de frapper. C'est le moment de frapper. J'aime prendre l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Quand elle allait au temple, frère, elle n'avait pas 1000 sujets de prière. Elle allait se mettre comme ça. Père, l'enfant. Si elle faisait 4 heures devant le Seigneur, c'était 4 heures pour un seul sujet de prière. Elle disait l'enfant. Et elle ne disait pas juste de sa bouche. Sa bouche était en synchronisation avec ce qui était émis par son cœur. Or, nous savons que le meilleur moyen, quand ces deux-là se synchronisent, frère, nos prières montent. Amen. Nos idées ne vont ni à gauche ni à droite. Nous sommes tous focalisés sur un même sujet. Imaginez-vous donc qu'on se rassemble en un seul lieu. Et Père, fais descendre ton esprit. Père, fais descendre ton esprit. On frappe comme ça. On frappe. Père ton esprit. Père les cœurs. La voix, tout est aligné. Ça vibre, ça monte. Mais avec la repentance qu'on a faite, frère, ça va descendre.
Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de barrières. Le Seigneur a agréé notre repentance. Ça veut dire qu'on se met dans les bonnes dispositions. On frappe le faux. Et au temps opportun, le Seigneur relâche. Aussi simple que ça. Et voilà mes soeurs, scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descend. Et mes soeurs qui prophétisent. Yes, Seigneur. Amen, amen, amen. Pardonne ces choses. Alléluia. C'est merveilleux. Donc, mes frères et mes soeurs, ce n'est plus le temps de dire que, Père, il y a telle personne qui est malade. Je vous jure, si le Seigneur veut qu'il meure, la personne mourra et le lendemain, le Saint-Esprit viendra. Mais si la personne doit attendre que le Saint-Esprit descende, la personne restera jusqu'à ce que le Saint-Esprit va descendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tournons nos yeux vers le Seigneur. Quand on écoute les enseignements, on écoute ce que le frère Jean dit. Il dit, quand vous êtes déjà dans sa présence, dites-lui juste, merci Père. Merci. Merci Père. Merci Père pourquoi? Le baptême du Saint-Esprit. Merci Père quand tu m'as scellé. Merci Père quand tu m'as scellé. Merci Père quand tu m'as scellé. Il dit, les gens leur disent merci. Les gens leur disent merci. On fait comment? Oh, Père, donne-le. Boum, il a donné le Saint-Esprit. C'est ça. Merci Père, tu rends juste grâce. On dit quand vous priez, croyez que vous l'ayez obtenu. C'est la manifestation de la foi donc, qui attire justement la descente des choses célestes sur le plan physique. Merci Papa de me remplir de toi. Il n'y a rien qui dépasse ça. Il n'y a véritablement rien qui dépasse ça. Regardons Anne. Comment elle a prié, jusqu'à ce qu'elle est restée comme ça. Elle commençait déjà à rentrer justement dans l'extase. C'est ça qu'on a vu. On a dit, oh, cette femme-là, fais passer ton vin. Elle a dit, non, je ne fais pas passer mon vin. Je suis en train de vibrer tellement, je suis en train de décharger au prix. C'est comme ça. Nous devons rester comme ça jusqu'à ce qu'on sente que notre être n'est plus dans cette dimension, mais que notre être est passé dans l'autre dimension, dans la dimension de l'intercession. Regardons. Si vous regardez le jour 2 des conducteurs, quand le Seigneur s'est manifesté, frère, les gens ont fondu en sanglots. Moi, je suis parti même avant. J'étais fondu en sanglots parce que le Seigneur mettait en nous justement la profonde repentance pour tout abandonner. C'est ça, met en nous la profonde repentance. Donc, quand on fond en sanglots comme ça, après, qu'est-ce qui vient après? Mais là, quand la repentance est agréée, la manifestation est naturelle. Donc, après. À ce moment, quand la repentance avait été agréée, c'était le Saint-Esprit est venu. Or, nous avons ça, jusque là, la repentance est agréée. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Disons merci au Seigneur. Merci. Merci au Seigneur. Merci. Car un témoignage ne peut pas venir du ciel si ce témoignage n'est pas vrai. C'est aussi simple. Et pour confirmer cela, le premier, il a envoyé la pluie bienfaisante. L'heure n'est plus à blague. Et d'un autre côté, les forces des ténèbres sont en train de se mobiliser parce qu'ils voient ce qui est en train de se passer. Ils voient ce qui est en train de se faire. Ils voient ce qui est en train de se faire. Donc, ne soyons pas de ceux qui vont arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ne pas être scellés. Non. Soyons dans cet esprit de l'attente, cet esprit de la chambre haute, jusqu'à ce que le Seigneur nous scelle. Et si le Seigneur scelle quelqu'un avant nous, ne soyons pas frustrés. Ne soyons pas frustrés. Et quand Jésus-Christ a prié, pendant, et je vais me revenir justement sur la prière du Seigneur, qu'il a prié, il allait choisir ses 12 apôtres, qu'il a choisi tous les 12. Vous n'avez jamais entendu que André a écrit un livre ou il a fait quelque chose. Nous n'avons jamais entendu ça. Il y a plein d'apôtres là-bas. Nous n'avons pas vu les grandes œuvres qu'ils ont faites. Mais regardez Paul. Après même que le Seigneur Jésus soit décédé, il a rencontré sur la route de Damas. Quand on regarde le Nouveau Testament, les œuvres qu'il a faites, c'est terrible. Donc ne soyons pas de ceux qui vont dire que, ouais, Seigneur, voilà tel qui est déjà revêtu.
Et on va commencer à rentrer dans les murmures. Ne faisons pas cela. Mais restons dans l'esprit de l'attente. Car on a dit la promesse est pour vous. On n'a pas dit que la promesse est pour vous et vous obtenez tous au même moment. Non. On a dit la promesse est pour vous. Donc, si la promesse est pour moi, je saisis la promesse, je l'attrape fermement et je m'y accroche dessus. Si mon frère est venu, je me réjouis avec lui profondément. Car dans la réjouissance, le Seigneur peut dégager ça de lui et boum, ça entre sur moi aussi. Amen. Donc je me réjouis profondément. Car ce n'est pas le fait d'être scellé en premier ou en dernier qui change quelque chose. C'est le fait d'être scellé. Point. Amen. Donc autant ce genre de pensée de nos cœurs, ce genre de réflexion de nous, et attelons-nous seulement à une seule chose. Père, seulement, seulement. Et réjouissons-nous avec ceux qui sont scellés. Amen. Réjouissons avec ceux Amen. Qui sont scellés. Amen. Soyons dans la joie pour ce qui est en train de se passer. Car si le Seigneur a permis que nous soyons sur lui, j'ai la foi, la ferme conviction. Mais regardez combien nous étions. Et regardez, il y a les gens qui vont venir à la fin. Il dit à la toute fin, là, boum, ils vont être scellés. Ceux qui sont restés jusqu'à la dernière, qui sont partis, ils vont seulement dire, mais donc nous, on a raté. Non, ce n'est pas que tu as raté, ce n'était pas pour toi. Désolé, ce n'était pas pour toi. Donc ne soyons pas aussi de ceux qui vont faire comme ça, arriver à la fin, ils vont partir. On a bien vu, le Seigneur a présenté cela clairement dans la marche de son peuple dans le désert, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. Comment les murmures ont conduit à ce qu'ils disent que toutes ces générations-là vont mourir dans le désert. Pour que ce soit seulement une génération sanctifiée qui entre dans la terre promise. Et les murmures et tout ce qu'ils ont fait dans le désert a irrité le Seigneur. Il a dit, vous allez mourir là. C'est pour dire que si le Seigneur se lève déjà contre toi, quel que soit ce que tu fais, tu n'auras pas. Heureusement, le Seigneur a agréé notre repentance. Donc, laissons tous ces genres de sentiments à côté. Célébrons le Seigneur. Rendons-lui grâce. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Et avançons tout doucement. Et une chose encore, mettons-nous dans les dispositions de recevoir. Ça veut dire, quand on vient en temps de partage, prenons des temps d'abord avant. Vous dites, Père, je suis en train d'aller en ta présence. Dispose mon cœur, dispose mon esprit, dispose tout mon être justement à être vraiment dans la louange, dans l'adoration et dans la soumission totale à ton esprit. Fais ouvre mes yeux pour que je vois ce qui se passe là-bas. Quand je vais là-bas, je vais pour être scellé. Je ne vais pas pour rentrer le même. Car la Bible dit, nul ne peut entrer dans sa présence et sortir tel qu'il est. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur et sortir tel qu'on était. Ce n'est pas possible. Père, je veux entrer là-bas et sortir revêtu et sortir scellé du Saint-Esprit. Et lui rendre grâce. Que Père, non, vraiment, c'est mon jour. C'est mon jour. Finalise ce que tu as commencé. Et la Bible dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre là-haut, la rendra parfaite. Amen. Donc, vraiment, préparons-nous pour ces temps. Quand on vient, ce n'est pas pour dire, non, je viens aussi, je m'assois là, je commence à écouter. Non, ce n'est plus le temps. Nous ne sommes plus là pour ça. Nous sommes là pour être scellés. Donc, venons en étant préparés. Venons en étant organisés, en étant prêts à tous les niveaux, en étant disposés à être scellés du Saint-Esprit. Amen. Fidèle pour accomplir sa promesse. Fidèle. Amen. Il dit, quand on réfléchit au scellement là, après ça, il y a quoi? Comme j'ai un ami qui dit souvent que après moi, c'est le virage. Pour dire qu'après lui, il n'y a rien. Après le scellement du Saint-Esprit, c'est fini, frère. Donc, tu attends seulement le royaume. Donc, quand tu es là, tu restes comme ça, tu tournes seulement les pieds, tu tournes sur ta chaise comme je tourne là. Tu dis que je meurs, oh, que je reste sur la terre. Oh. Le Seigneur dit, je suis parti. Je Amen. Suis parti. Amen. Amen. Frère, je suis parti. Comment on est à ce moment obtenu ça? Ah, Seigneur. On est. Frère, il n'y a rien qu'on s'est désiré qui aille au-delà de cela. Et j'ai pu vous confirmer. Regardez, le fait du Seigneur veut commencer les chrétiens contre les mauvaises pensées, à
Après, il a commencé dans les solutions. À un moment donné, il s'est arrêté. Vous pensez s'est arrêté pour rien? Parce que tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a certains combats que tu ne pourras jamais gagner. Mais quand tu es scellé du Saint-Esprit, même ta pensée est scellée du Saint-Esprit. Amen. Tu ne penses plus à gauche, à droite. Amen. Amen, amen. Donc la solution contre les mauvaises pensées, c'est le Saint-Esprit. Amen. Point. Donc c'est pour dire, frère, si tu restais encore comme ça, tes intentions, tes pensées allaient à gauche, à droite, sache que, ok, voilà la solution. Tourne encore bien. Tu focalises. Tu mets la main sur le volant de la voiture, là. Tu bloques tout. Tu as vérifié tout, que l'huile est bonne. Il y a le carburant dans la voiture. On a bien carburé, là. Les jeunes et tout, on a maigri. Les joues sont rentrées et tout. On est devenus minces. Les habits ne nous suffisent même plus. On nous trouve que nous sommes déjà devenus bizarres. Oui, c'est bien. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Fonçons donc maintenant bien. Fonçons bien afin d'obtenir la couronne. Amen. Afin de rentrer dans ce que Romain dit, que vraiment il voulait faire la volonté du Seigneur, mais il trouvait dans son corps, il trouvait dans sa chair une volonté qui lui est contraire. Il disait, waouh, qui va me délivrer de ce corps de mort? Il dit, gloire à Jésus-Christ qui me rend capable de le faire. C'est le Saint-Esprit venant en nous qui nous rend capable, justement, d'aller au-delà. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a pu le faire. Donc, il n'y a que lui qui peut nous donner la capacité de le faire. Donc, frères et sœurs, il n'y a rien, rien, il n'y a rien que nous pouvons chercher qui aille au-delà du Saint-Esprit. Donc, déchargeons-nous de tout bagage. Déchargeons-nous de tout fardeau. Déchargeons-nous de toute lourdeur qui nous entraînerait derrière. Regardons notre passé et voyons ce par quoi le Seigneur nous a fait traverser. Regardons les souillures par lesquelles nous sommes passés pour nous rendre compte que si c'était rien que le fait qu'à travers quelque chose que nous avons fait, nous ne sommes pas éligibles à ça. Et le Seigneur nous a nettoyés, le Seigneur nous a purifiés, le Seigneur nous a sanctifiés et il a agréé notre repentance. Donc fonçons maintenant vers là. Si celui-là vient, il met dans ta pensée que ma fille, toi qui faisais ce que tu faisais dans le monde, tu crois que le Seigneur va venir vraiment te sceller. Comment ça lui dit que, mon frère, laisse, que mon père, c'est mon père. Le fils prodigue là, il était allé agresser son père. Il a dit que donne-moi l'héritage. Regardez vous-même vos enfants à côté de vous. Ton enfant vient t'agresser. Il dit donne-moi mon héritage. Tu donnes. Il part, il mange tout. Quand c'est fort là, il revient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ôtez-lui ses vêtements et mettez-lui l'anneau d'or. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ôtez-lui ses vêtements et mettez-lui l'anneau d'or. Le vêtement nouveau est revêtu de l'autorité. C'est lourd ça. C'est lourd ça. Or, qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on a fait, un père ne rejette pas ses enfants. Et comme nous sommes venus à lui de la bonne façon, il faut juste maintenant qu'il nous donne le vêtement et qu'il nous mette là-dedans. Et c'est bien. Amen. Merci Seigneur. Terminé. Amen. Que le Seigneur nous aide à rester dans cette posture de l'attente du vêtement. Et que sa grâce repose sur chacun. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quelqu'un a les refrains, moi je ne connais pas les refrains. Quand je regarde autour de moi,
Alors je dis merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment et pourquoi, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Ah, comment ne pas le louer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Ah, comment ne pas te magnifier, Seigneur? Tellement quand nous regardons à tous ceux qui ont parfois donné du ciel, Père, pour obtenir ce que nous obtenons comme ça, nous disons, Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas te dire merci pour les grâces, pour les bénédictions? Père, Dieu nous a maintenus en vie jusqu'à la date, jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui, jusqu'à cette heure, jusqu'à ce moment. Rencontrer, Seigneur, ces choses merveilleuses, ces choses célestes que tu manifestes sur la terre. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment? Apprendre seulement, Père, à vraiment t'adorer. Apprendre seulement, Père, à vraiment te louer. Apprendre, Père, à vraiment te célébrer. Apprendre vraiment, Père, à être digne, Seigneur, de ces choses merveilleuses que tu fais pour nous. Vraiment, Seigneur. Car nous savons que nous sommes dignes de rien. Nous savons que nous sommes dignes de ne même pas nous approcher de toi. Mais par ta grâce, par ton amour, tu t'es approché de chacun d'entre nous. Oui, Père. Tu as un regard favorable sur chacun d'entre nous, sur nos familles, sur nos enfants. Dans nos souillures, Père, tu es venu nous chercher. Oui, c'est dans la décrépitude dans laquelle nous vivons, tu es venu nous chercher. Allez, dans l'égarement dans lequel nous faisons monde, tu es venu nous chercher. Père, ce n'est pas que nous ayons fait quelque chose pour mériter. C'est pas ta grâce. C'est ta grâce. Ce n'est ni par nos forces, ce n'est ni par notre puissance, ce n'est ni par notre réflexion, ni par quoi que ce soit, Père, que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, Père. C'est par ta grâce. C'est par sa grâce. Quand nous regardons, Père, dans le désert, quand Moïse est monté, quand il a dit, quand tu es descendu, Seigneur, sur cette montagne, le peuple ne pouvait pas s'approcher, car ce n'était pas encore le temps. Père, tu ne nous as pas disposé pour ces temps-là. Tu nous as disposé maintenant pour la véritable sainte. Donc nous pouvons nous approcher, donc nous pouvons toucher. Oui. Et quand nous regardons à cela, nous nous inclinons devant ta majesté. Nous nous inclinons, Seigneur, devant ta royauté. Nous nous inclinons, Seigneur, devant toute ta divinité. Nous te disons profondément merci Père, merci Père, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit, merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit, merci pour le scellement Père, merci pour le scellement Père, merci pour le scellement Père, merci Père quand tu fais descendre ton esprit sur nous, merci Père quand tu fais descendre ton esprit sur nous, merci Père quand tu fais descendre ton esprit sur nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père quand tu fais descendre ton esprit sur nous, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père quand tu fais descendre ton esprit sur nous. Merci Père car tu nous scelles. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père car tu nous scelles. Merci Père. 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 Merci Père car tu nous scelles. Merci Père car tu nous scelles. Merci Père car tu nous scelles. Merci Père, car tu nous sais. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci.
Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci que tu nous as disposé pour cette période. Oh merci que tu as préparé, Seigneur, ton vase. Oh merci, Père, que tu as préparé, Seigneur, son vase. Père, donne-nous de nous consacrer, Seigneur, corps, âme et esprit, totalement à toi, Seigneur. Merci, Père. Totalement à toi, Seigneur. Totalement. Merci. Seigneur, des vases utiles pour ton service, des vases utiles pour ton service, des vases utiles pour ton service, Seigneur, des vases utiles pour ton service. Seigneur, fais descendre ton esprit sur nous, fais descendre ton esprit sur nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais descendre ton esprit sur nous, Père, fais descendre ton esprit sur nous, Père, fais descendre ton esprit sur nous, Père, et ôte tout esprit. Et ôte tout esprit de doute, 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 Père, ôte tout esprit de doute. Oh, tout esprit de doute en nous. Fais partie, Père, la jalousie. Fais partie, Père, la jalousie. Fais partie, Père, quoi que ce soit qui puisse nous empêcher, Seigneur, d'apporter, Seigneur, ce chemin. De nous tenir, Père, dans la chambre haute. Seigneur, que ce soit de manière physique, que ce soit de manière spirituelle. Dispose nos cœurs à être constants et permanemment, Seigneur, dans l'adoration, dans la louange et dans la soumission, Père, à ton esprit. Afin que tu viennes tabernacler dans nos cœurs. Afin que ce lieu très saint, Père, que ton Dieu a sanctifié, ce lieu très saint que ton Dieu a disposé, ce lieu très saint que tu as agréé, Père, que tu viennes prendre ta place. Et Père, toi. Nos cœurs sont à toi. Nos cœurs sont à toi, Père. 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 Établis, Père. Établis-toi, Seigneur, dans ton temple. Établis-toi, Seigneur, dans ton temple. Établis-toi, Seigneur, dans ton temple. Dis-moi, Seigneur. Établis-toi, Seigneur, dans ton temple. Père. Établis-toi, Seigneur, dans ton temple. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous grâce. Nous te supplions, Père. Nous grâce, Père. Nous te Seigneur. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Humilié devant ta face, Seigneur. Père, nous ne voulons plus de nous. Plus de nous. Seulement toi. Uniquement toi. Rien que toi. Et totalement toi, Père. Oui. Que nous disparaissons, Père. Et que tu prennes toute la place. Que nous disparaissons, Seigneur, et que tu prennes toute la place, Père. Alléluia. Nous disparaissons, Père, et que tu prennes toute la place. Oh, Jésus. Père. Oh, Seigneur. Dernière saison, Père. Oui, Seigneur. Peut-être plus de dernière saison, Père. Oui, Papa. Ouvre les écluses des cieux, Père. Ouvre les écluses des cieux, Père. Oh, Jésus. Et que cette flamme, Père, qui brûle en chacun d'entre nous, Père, tu les souffles, Père. Tu les souffles, Seigneur. La gloire de ton nom. Oh, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Oh, parce que tu as toi. Merci, Père. Merci, Père. Sois Dieu. Je te désinstrue. Instruments à tes mains. Consacre-nous, Seigneur. Consacre-nous. Consacre. Consacre-nous, Seigneur. Consacre tes enfants, Seigneur. Consacre-nous, Seigneur. Pour ton service, consacre-nous. Sacre, Seigneur Jésus. Oh, voici les cœurs devant toi. Voici les cœurs devant toi, Père. Établis ton cœur. Celle tes enfants, Seigneur. Merci Père, quand tu es en train de faire la chirurgie dans le cœur de quelqu'un dans cet instant. Merci Père, quand tu es en train de faire cette chirurgie. Merci Père, merci Père, merci Seigneur, merci Père.
Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un aura un dernier cantique là que nous chantions avant de nous séparer? Est-ce que quelqu'un aura un cantique? J'entrerai dans tes pavés avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes pavés avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai, car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Alléluia. Oh, je chanterai, car il m'a fait. Alléluia, il m'a fait du bien. Alléluia. Je chanterai, il m'a fait du bien. Il m'a délivré. Alléluia. Oh, je chanterai, Christ m'a délivré. Oh, je chanterai. Christ m'a purifié. Oh, je chanterai. Christ m'a purifié. Oh, je chanterai. Jésus m'a baptisé. Oh, je chanterai car Jésus m'a baptisé. Alléluia, Jésus m'a baptisé. Jésus m'a scellé. Jésus m'a scellé.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Nous pourrions passer, Seigneur, des heures jusqu'à te dire merci. 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 Seulement merci. 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 Quand il n'y a rien d'autre que nous pouvons te donner, juste te dire merci. 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 Adorons notre Seigneur, élevons-le des actions de grâce. Disons-lui comment il est beau, disons-lui comment nous l'aimons. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, reçois toute la gloire, reçois toute la magnificence, reçois toute la louange. Reçois, Seigneur, de nous, Seigneur, tout ce que tu peux recevoir. Père, tu es beau, Père, tu es beau, tu es beau, Seigneur, tu es beau, Seigneur, Dieu puissant, Dieu très haut, reçois toute la louange, reçois toute la magnificence. Reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père. Toi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui ouvre, les personnes ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui sert du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. 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 Merci. Frère Jean, s'il te plaît, pour la séance. Bienheureux Père, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour tes regards bienveillants, Seigneur Jésus, sur nous. Ô Seigneur Jésus, toi qui ne tiens point compte, Seigneur, de nos turpitudes, de nos faiblesses. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur, car tu es notre rocher fidèle. Tu es cet ami fidèle, Seigneur Jésus, que nous avons. Père, merci. Merci pour ton grand nom, Seigneur Jésus. Merci pour ton grand nom glorieux, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, merci Père. Merci Père. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes. De porter, Seigneur, ce nom, Seigneur, dans les nations. Merci, Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour la promesse, Seigneur Jésus. Merci pour cette nouvelle ère. Pour cette ère, Seigneur Jésus, qui s'ouvre, Seigneur, dans le monde. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu déploies dans les nations. Merci pour le Cameroun, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ton grand nom glorieux, Seigneur. Père, que tu révèles, Seigneur, dans la nation de Cameroun. Que tu révèles, Seigneur Jésus, à tes serviteurs, à tes servantes. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour le revêtement. Merci pour le revêtement. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci pour la mouvance du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir choisi, nous Seigneur Jésus. Père, merci. Pour porter ton nom dans les nations. 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 Père, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons fait, Seigneur, pour mériter? Pour mériter, Seigneur. Pour mériter tes bontés. Pour mériter ta grâce, Seigneur Jésus. Pour mériter, Seigneur Jésus, Père,
Que tu puisses jeter tes regards bienveillants sur nous. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait de particulier, Seigneur, que d'autres n'ont pas pu faire? Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir choisis, nous, Seigneur. Oh, Père, merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour le revêtement. Merci. Merci pour l'autorité, Seigneur, de ton nom que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Père, merci. Merci. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. 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 Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Car la création saura réellement, Seigneur, qui sont tes fils, Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus pour cette prophétie qui prend lieu, Seigneur Jésus, en ce temps, Seigneur. Merci Père. Merci pour la révélation de tes fils, Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Père, nous disons merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci de faire connaître ton grand nom glorieux, Seigneur Jésus. Merci Père. Merci pour l'éclat de ta majesté, Seigneur. Ô Père, qui illumine, Seigneur Jésus. Les quatre coins du monde, Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci Père pour le ciel du Cameroun, Seigneur Jésus. Merci Père pour cette puissance, Seigneur, que tu t'apprêtes à déployer sur le Cameroun, Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père d'avoir choisi le Cameroun. D'avoir choisi le Cameroun, Seigneur, depuis le fondement des temps. Père, pour faire connaître ton nom, Seigneur, dans les nations. Père, pour déployer le spectre de ta puissance, Seigneur Jésus, ô Dieu, Seigneur, dans les nations. Merci d'avoir choisi le Cameroun, Seigneur Jésus. Père, comme l'épicentre, Seigneur Jésus, ô Dieu, de la manifestation de ta puissance dans les nations. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Seigneur Jésus. Merci pour cette œuvre grande et puissante, Seigneur Jésus. Père, merci. Merci Père, merci Père, merci Père. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci, merci Père, merci Père. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu sais Père, oh Dieu, que nous sommes faibles, Seigneur. Mais je te supplie, Seigneur Jésus, ô Seigneur, de nous capaciter, Seigneur, par ton esprit, afin que nous soyons dignes, Seigneur, de porter, Seigneur, ce nom glorieux, Seigneur, ce nom glorieux, Seigneur Jésus, ô Dieu, afin que nous soyons dignes, Seigneur, afin que nous soyons trouvés dignes, Seigneur Jésus, ô Seigneur, soutiens, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, soutiens-nous, Père, ô Seigneur, je t'en supplie, soutiens-nous, Seigneur Jésus, soutiens-nous, Seigneur Jésus, soutiens-nous, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur Jésus, ô Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur Jésus. Soutiens-nous, Seigneur. Ô Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Que rien, Seigneur. Que rien, Seigneur Jésus. Ô Père, ne puisse être obstacle, Seigneur Jésus. Car tu dis... Tu as dit, Seigneur Jésus, qu'à la mention de ton nom, Seigneur, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, Seigneur Jésus. Tout genou fléchira. Toute langue, Seigneur, confessera, Seigneur, paix ta seigneurie. Paix ta grandeur.
ta majesté, ta suprématie. Oh Seigneur Jésus. Père, Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Fais grâce. Rends-nous digne, Seigneur, de porter ton manteau. Fais grâce. De porter, Seigneur, ce manteau, oh Dieu. De porter cette grâce, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Que l'éclat de ta majesté, Seigneur, illumine, Seigneur Jésus, jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, je t'en supplie. Pour trouver, Seigneur, ces âmes, pour toucher ces âmes, Seigneur. Père, qui ont soif de toi, Seigneur Jésus, pour toucher, Seigneur Jésus, oh Dieu, tous ceux-là, Seigneur, qui sont destinés, Seigneur Jésus, oh Père, à te connaître. Oh Jésus. Père, merci. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Tu es digne, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne, Seigneur Jésus, d'être élevé, d'être glorifié. Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Père. Tu es digne. Tu es digne, Père. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Oh Seigneur. Là où notre imagination, Seigneur, peut se limiter, oh Dieu, Seigneur, ta gloire, ta majesté, Seigneur, Père, ne peut que commencer. Oh Seigneur Jésus, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Oh Seigneur, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Merci, Père, de nous avoir choisis. Merci. Merci, Père, de nous avoir choisis comme instrument, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Père, de nous avoir choisis comme vase, Seigneur Jésus, oh Dieu, pour porter ta présence, Seigneur Jésus. Père, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour le Réveil. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Père, pour cette terre, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci. Père. Merci. Merci. À toi la merci. Gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, Père. 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 À toi la gloire. Père, nos mots, Seigneur, ne peut être juste. Oh Seigneur Jésus, Père, pour justifier. Ou pour, Seigneur, présenter, Seigneur, l'image de cette gloire, Seigneur Jésus. Père, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, tu es digne. À toi la gloire, Père. Oh, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la promesse dans nos vies. Merci pour la promesse dans nos vies. Merci pour la promesse dans nos vies. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur, de parfaire ton œuvre, Seigneur, davantage encore, Seigneur, dans nos vies. Oh, Seigneur, davantage encore, Seigneur. Oh, Père, nous voulons de toi. Davantage encore, Seigneur, oh Père, nous voulons vivre, Seigneur, cette présence, Seigneur. Encore davantage, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Père, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, Père, que tu ne cesses, Seigneur Jésus, de te glorifier, de te manifester, Seigneur, au milieu de nous. Que tu ne cesses, Seigneur Jésus, Père, de te révéler, Seigneur, à nous. Père, que ta présence, Père, ne nous quitte plus, Seigneur Jésus. Père, que cette présence, Seigneur, ne nous quitte plus, mais que davantage, Seigneur Jésus. Oh Dieu,
Père, que tu te révèles à nous. Que tu te révèles à nous. Et que notre joie soit parfaite en toi, Seigneur Jésus. Car tu es la raison, Seigneur, pour laquelle nous vivons. Tu es la raison, Seigneur, pour laquelle nous paraissons. Tu es la raison, Père, pour laquelle, Seigneur, ô Dieu, nous sommes encore debout, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Attache-nous davantage, Seigneur, à toi. Attache-nous davantage à toi, Seigneur Jésus. Attache-nous davantage à toi. Qu'en soit le prix à payer, Seigneur. Rends-nous dignes, Seigneur. Rends-nous dignes, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Rends-nous dignes, Seigneur. Rends-nous dignes de porter, Seigneur, ton nom glorieux. De porter ce nom glorieux. De porter ce nom glorieux. Rends-nous dignes, Seigneur Jésus. Rends-nous dignes. Père, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Père. 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 Merci pour chacun de nous. 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 Oh Seigneur, merci. Merci de faire de nous, Seigneur, tes serviteurs et tes servants. Oh Seigneur, merci. Quel privilège, Seigneur. Quel privilège. Quel privilège. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Père. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Maintenant et à jamais. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Amen. Merci Père. Donc grâce à Dieu pour ses merveilles dans notre vie, disons merci Seigneur pour tes grâces et tes merveilles. Toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.